elle existe seulement dans le monde, elle sera présente lors d'un grand rassemblement organisé dans le cadre des festivités du centenaire de la création de la commune du Touquet-Paris-Plage, un grand rassemblement organisé par l'association Touquet Automobile de Collection avec son président Patrick Gonnet. Merci d'être avec nous et d'avoir accepté notre invitation. À vos côtés, on va saluer également Anthony Bernard de l'association Les Compagnons de la Violette à Montreuil-sur-Mer. Nous allons donc découvrir cette très belle manifestation qui se prépare pour la fin juin, début juillet, les vendredis 29, samedi 30 et dimanche 1er juillet, sans automobile pour le centenaire, évidemment, de la création de la commune du Touquet, avec une passion pour les véhicules, évidemment, vous avez depuis très longtemps dans cette association, qui vous anime depuis combien de temps précisément? Alors la passion pour l'automobile, je pense que quand on l'a dès sa plus tendre enfance. Et il se trouve que moi je suis tombé dedans quand j'étais tout petit, puisque étant ici au Touquet, vous imaginez que ces voitures, d'exception, nous les voyons circuler depuis toujours. Et ces voitures sont des véhicules justement de tout type? Oui, alors dans le cadre de notre association, nous réunissons des véhicules de collection ou d'exception. Alors tout type, ça veut dire que ça peut aller de la 2 chevaux, en passant par la Bugatti, à côté de laquelle vous étiez, ou éventuellement, bien sûr, une Rolls. Mais ça peut aussi être une voiture récente, pourvu qu'elle soit exceptionnelle. Et est-ce que ce sont seulement des automobiles, finalement, on va dire, de loisirs, ou il y a d'autres engins à moteur que vous pouvez collectionner? On peut très bien trouver, dans le cadre de notre club en particulier, des passionnés qui viennent avec, c'est tout à fait dans l'air du temps, des combi Volkswagen, des fourgons HY, des véhicules aménagés tout à fait particuliers. Vous savez qu'il y a des passionnés de véhicules de pompiers comme des voitures de police. Donc c'est très très varié. Et tout cela, vous fait partie du patrimoine? Absolument, tout cela fait partie du patrimoine et nous avons, nous, je pense, enfin, le devoir, nous qui sommes d'une génération intermédiaire, de transmettre cette passion. Et tout à l'heure, quand on parlait des voitures, il y a aussi aujourd'hui ce qu'on appelle les young timers. Vous avez une 205 GTI, vous avez une Golf GTI qui demain deviendront des voitures d'exception et il faut transmettre cette passion à cette jeune génération, ce qui fait que dans notre club, par exemple, eh bien, nous avons aujourd'hui des jeunes qui ont 25 ans. Et de quelle manière vous essayez justement de transmettre cette passion? Par le biais de rassemblements, effectivement, mais est-ce qu'il y a d'autres choses aussi que vous pouvez mettre en place? Alors bien sûr, les rassemblements, mensuels, qui ont lieu tous les troisièmes dimanches de chaque mois à partir du mois d'avril aux marches du palais. Palais des Congrès du Touquet. Donc tous les mois, lorsque l'on s'en rend au troisième dimanche, on veut ce type de véhicule. Absolument. Des multitudes de voitures, et à chaque fois différentes, qui font le plaisir, bien sûr, de leurs propriétaires, qui se rassemblent entre 10h et midi. Ça se termine par un petit verre de l'amitié et des échanges, mais c'est aussi le plaisir pour les spectateurs, les visiteurs qui viennent. Et vous avez, à l'occasion, par exemple, des plus grandes périodes de rassemblement, au juillet ou au mois d'août, eh bien, 150, 200 voitures sont là de tout type, de tout ordre. Et ça change tout le temps finalement. Et ça change tout le temps. Sont présentés au public donc le troisième dimanche de chaque mois. Absolument, il n'y a aucune contrainte. Donc les véhicules sont différents. Et nous accueillons aussi à ces occasions eh bien, des clubs voisins qui viennent de Belgique, ou d'Angleterre, ou d'Allemagne, et qui profitent, puisqu'ils savent qu'il y a ce rassemblement, ce rendez-vous. Ils font une halte, ils passent une heure, ils viennent dire bonjour, on discute et ils repartent pour continuer leur périple, leur rallye, par exemple, parce qu'ils sont en train de faire un rallye touristique dans la région. Alors justement, c'est ce que j'avais posé comme question, vous parlez de rallye. Est-ce qu'il y a un défilé dans les rues du Touquet tous les troisième dimanche de chaque mois? Alors on fait en partenariat avec l'Union commerciale, hein, le Touquet Destination Commerce, et eh bien on fait une parade de temps à autre. On en fera une à l'ouverture, on en fera une à l'occasion des journées du patrimoine, on en fera une également à l'occasion de notre dernier rassemblement de l'année. C'est pas systématiquement, c'est pas tous les mois, mais effectivement, une ou deux remontées de la rue Saint-Jean avec 100 ou 150 voitures qui se suivent, qui sont au pas, je vous assure que ça fait vraiment quelque chose qui est très apprécié. Et que l'on soit passionné ou pas, avec les enfants, on voit les gens qui font des photos, qui mettent les gosses à côté des voitures, il y a une véritable passion, un véritable échange. Et pour répondre à votre question, je crois qu'effectivement, c'est peut-être aussi ça, une manière de transmettre cette passion que nous avons et le respect de Biou comme cela. Et que viennent chercher justement les passionnés de ces voitures de collection au Touquet Paris-Plage? Alors, les passionnés, les propriétaires de ces voitures, lorsqu'ils participent par exemple à un rassemblement comme le rassemblement mensuel, c'est d'abord un échange, hein, une passion partagée. C'est aussi quelquefois, pourquoi pas, le moyen de rencontrer un ami et pourquoi pas aussi d'avoir une voiture qui soit en vente. Donc c'est l'occasion de rencontrer sur ce espace
l'espace qui est réservé, les marges du palais, eh bien, un autre amateur qui, lui, est peut-être intéressé. Il peut y avoir des échanges qui se font à ce moment-là, des échanges de pièces, des échanges d'adresses. Anthony, vous avez déjà eu l'occasion de découvrir justement ces défilés qui ont lieu ici sur le territoire de la Conchoutie. Eh bien, non. Jamais. Vous n'êtes pas passionné de véhicules anciens? Pas trop. J'ai d'autres passions qu'on découvrira dans quelques instants, évidemment, notamment l'histoire de Montreuil-sur-Mer. Alors, il y aura un grand rassemblement, je le disais, pour donc, les festivités concernant le centenaire de la création et de la commune du Touquet de Paris-Plage. Le Royal Picardie coupe du centenaire, concrètement, comment va s'articuler le programme de la journée? Nous avons décidé... Parce que c'est trois journées, finalement. Bien sûr, trois journées. Nous avons décidé, en partenariat avec la commune du Touquet, d'essayer, à l'occasion de cet événement du centenaire, eh bien, de créer un événement exceptionnel. On va reconstituer dans trois jours distincts, comme vous l'avez dit, le vendredi après-midi, le samedi et le dimanche, eh bien, 100 véhicules de cette époque, donc des voitures d'avant-guerre, dont certaines sont même d'avant la Première Guerre mondiale. Hein, vous aurez des véhicules qui sont de 1915 ou 1912, et puis les Bugatti, les voitures de ceci, comme c'est un signe bien particulier. Absolument. Qui est devant le véhicule, vous pouvez nous rappeler justement alors, quel est ce symbole? Absolument, alors cette voiture a une particularité, puisque vous voyez qu'on lui a mis une mascotte, hein, ça s'appelle comme ça, la mascotte qui orne la calandre et le bouchon du réservoir d'eau, et bien on lui a mis dessus le sigle et cette mascotte, le sigle du Cadillac. Et cette mascotte, elle a toute une histoire, si vous avez encore une petite idée. Je peux vous expliquer que on en connaît une dizaine de par le monde. Ce sont des mascottes qui sont donc de ces années 1925, qui ornaient donc réellement les calandres, les capots des voitures de cette époque. Cette mascotte a été reconstituée? Absolument, c'est pas du tout ça. C'est une mascotte qu'on est allé acheter lors d'une vente aux enchères aux États-Unis à Pebble. Elle est revenue donc au Touquet où elles étaient fabriquées à l'époque par des artistes, hein, puisque vous voyez que tout cela est évidemment ciselé de manière très artistique. Hein. Il n'était pas question dans les années 1920. C'est vraiment la mascotte d'origine. La mascotte d'origine. Qui date de la création absolument. De la commune du Touquet. Belle histoire, achetée aux enchères aux États-Unis à l'occasion d'une vente à Pebble Beach. Elle revient au Touquet à l'occasion des événements de fin. Voilà, tel qu'on pouvait découvrir à l'époque ces véhicules Bugatti. Par exemple, dans un livre ici qui rappelle un petit peu donc, toute l'histoire du circuit boulonnais. On va avoir plus d'informations sur votre site internet touquetautocollect.free.fr, puis également sur le site internet de la commune du Touquet Paris-Plage, www.letouquet.com, et évidemment dans le programme Un siècle de lumière 1912-2012, on retrouve toutes les manifestations concernant le centenaire de la création de la commune. On poursuit.